Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue aujourd'hui pour mon deuxième let's play sur ma chaîne. Et celui-là va être très très bon, j'avais déjà fait la démo il y a un mois, c'est sur Detroit Become Human. Un jeu qui se passe en 2038 où les androïdes partagent la vie des humains et les humains partagent la vie des androïdes. Il va se passer beaucoup de choses justement avec ces androïdes, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Let's go, c'est parti. Ok, ça c'était la mission de la démo, si vous n'avez pas vu la démo, je vous invite à aller la voir. Elle sera dans l'onglet. Le négociateur vient d'arriver. Je répète. Ok, donc ça on connaît déjà. Tac, on sait déjà où on arrive, on sait déjà. Donc par contre, j'avais pas trouvé toutes les fins, j'en avais trouvé que 3 sur 6, il me semble. Oh, je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Donc voilà, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la démo qui commence maintenant, je suis un androïde enquêteur sur quelque chose qui vient de se passer dans cette maison. Et du coup, la madame est pas très contente de me voir, on sait pas encore pourquoi, mais peut-être parce qu'elle a moins confiance aux androïdes qu'aux humains, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et puis, on va aller parler au commandant. Alors, elle était où? Voilà, on va essayer de résoudre une affaire, là. Commandant Allen, je m'appelle Connor, je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Ouais, bon, désolé pour les trucs. Alors, code de désactivation, choc émotionnel, comportement du déviant, nom du déviant. Avez-vous essayé son code de désactivation? Oui, on a déjà essayé. Comportement du déviant, choc émotionnel, nom du déviant. Comportement, on va demander le comportement. Il s'est déjà comporté étrangement auparavant. Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ok, donc à chaque fois, à chaque réponse qu'on donne, on a des probabilités de réussite qui montent ou qui descendent, suivant les informations qu'on a. Et plus on cherche de choses, par exemple ici, plus on va avoir de chances de réussir l'affaire. Donc, quand on est ici, il faut trouver les indices. Alors on a un indice là, hop, directement. Les munitions, très bien. Et un autre indice là pour savoir quelle arme... Bah allez. Quelle arme est utilisée, j'imagine. Black Hawk, voilà, exactement. Donc déjà, et là on peut reconstituer la scène dès qu'on a tous les indices. Ok. Le déviant a pris l'arme du père, ok. Parce que là ça va. Sortir, on n'a rien d'autre à voir. Ok. Bon, jusque là ça va, je l'avais déjà fait. Et voilà, la probabilité de réussite augmente. Très bien. Comprendre ce qui s'est passé, fouiller la chambre de l'otage. Donc ça c'est la chambre de l'otage. Donc c'est la petite fille, examinée. Lecture. Voilà, donc on connaît le nom de l'androïde qui est en train de péter un plomb. Il s'appelle Daniel. En même temps, quand tu t'appelles Daniel, c'est un peu normal que tu pètes les plombs, j'ai envie de te dire. Très bien. La petite musique ici. Hop. Ouais, c'est de la musique, ouais. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Oui. Oui, si elle est... Enfin, quand même, des coups de feu, c'est fort, hein. Même avec de la musique. Hein? Bon. Probabilité de réussite augmente. Donc on voit que c'est le bordel dans la maison. Hein. Par contre, c'est joli chez eux. On a un temps. Hein. On a un temps pour faire tout ça parce que les mecs, ils sont pas là pour déconner, quoi. Hein, ils vont pas prendre non plus 5 heures pour sauver la petite fille, quoi. Allez. Bonsoir, monsieur. Donc c'est un peu le même système que dans Batman... c'était quoi? Arkham Knight ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas fait entièrement, là? Si, si. Ok, très bien. Deuxième ici. Deuxième trou de balle. Ok, blessure par balle de calibre, ça va de calibre 9 mm. On le sait, tranquille. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un androïde pour le savoir. Blessure par balle, eh bien, merci à toi. Et c'était quoi le quatrième? Ah, c'était l'œil pour dire qu'il est effectivement décédé. Merci à toi. Ok.
Alors, on va reconstituer la scène. On peut bouger hein, dans la scène. Ah, oui, c'est vrai. On voit le mec lui tirer dessus. Hop. Donc, Daniel lui tirait dessus alors qu'il était en train, tranquille, d'être posé sur le canapé. En train de lire quelque chose. Le père tenait quelque chose. Donc, on va voir où il l'a lâché directement. Poum! Ok, le truc, il est parti là-bas, vous le voyez. Hop. Enfin, il est à côté de tes pieds quand même. Hein. Très bien. On sait où il est. On va pouvoir lire ce qu'il y avait dessus. Bon, là, je vais rapidement parce qu'on l'a déjà fait. Cette mission. Donc, je sais un petit peu où se trouvent les indices et tout ça. Donc, c'est sûr que ça va aller vite. Mais le reste, je ne connais pas. Let's go. Bon, j'ai fait trois fins différentes sur cette mission dans la démo. Si vous voulez aller voir les trois fins différentes, le déviant allait être remplacé. Et oui, parce qu'il était en train de justement d'être sur eBay, tout ça tranquille, Price Minister, pour voir s'il n'y avait pas un petit autre androïde à prendre. Parce que celui-là, il commençait à péter les couilles, Daniel. Ah! Putain, c'est vrai qu'il tire ce bâtard. Allez, évacue, évacue, évacue. On n'a pas le temps. Alors là, il y a un policier décédé. Tim, tim, tim. Oui, décédé, ça, je pense qu'on pouvait le voir. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est? Un trou de balle, pareil. Blessure par balle de calibre 9 mm. Il a défoncé tout le monde, hein. Daniel, il a défoncé tout le monde. 2 sur 3, 2 sur 3. Et ah, là, il y en a un autre. Un résidu de poudre. Donc, c'est qui l'a tiré? Allez, on reconstitue ce. Ok, donc Daniel, il était là. Ils étaient là en train de faire... Wouh! C'était en train de jouer au... Comment on appelle ça? Oui! Ah, ce qu'il a pris! Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est bien fait quand même. Alors, directement, on va voir quelque chose. On voit une chaussure par terre, donc on voit que l'otage a assisté à la fusillade. Et derrière, que le policier a tiré sur le déviant. C'est pour ça qu'il a des résidus de poudre sur les doigts. Très bien, il s'est fait éclater sa petite race. Et là, on voit que le flingue est tombé sous la table. Très bien. Ok, je le prends directement. Je vais pas le reposer, je le garde. Bim, bam, boum. On va essayer de le buter. Vous avez débloqué un dialogue ou une action souvent bénéfique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, il y a le sang là pour savoir un petit peu. Il y a le sang, du coup il s'est fait tirer dessus. On va aller voir le sang directement. Sang bleu frais, modèle PL600. Ah, je le connais. Ceux-là, ils partent en couille les PL600. Faut jamais les acheter. Très bien, PL600. La chaussure, hop, on va examiner. C'est une Jordan Last Deg. Chaussure d'enfant, très bien. L'otage peut être blessé, yes. Ouais, c'est vrai que dans une prise d'otage, souvent... t'es pas super super quoi. Je vais quand même retourner dans la chambre. Je sais que j'avais pas tout fait la dernière fois, pourtant il me semblait avoir tout fait. Donc il doit y avoir des trucs vraiment vraiment bien cachés. Ok, est-ce que t'as des choses à me dire toi? Hein, frérot? Non, par contre il est hyper lourd ton ordi. Putain, tu dois jouer à Fortnite de ouf avec ça. Sortir, bah je pense qu'on a tout fait hein. Au bout d'un moment, on va sortir. En plus, on a récupéré le flingue. Hop! On va aller parler à Michel. Non, Daniel. You! Alors, sauver l'otage à tout prix. Ok, otage localisé. Pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Allez, allez, allez! Bonsoir, Daniel! Comment? Je m'appelle Connor! Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi! Je viens de sortir de ce mauvais pas. Déviant instable. Déviant instable. On va faire dégager l'hélico. Gagner la confiance du débrant. Des déviants, approcher lentement. On va pas le faire. On l'a fait dans la démo. On connaît la... On connaît. Alors, rassurez-le. Libère l'otage. Calmez. Allez, calmez. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je veux pas de ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Est-ce que t'es armé? Là, on va lui mentir. Je me rappelle, pour débloquer d'autres fins, il faut lui mentir. Donc, on va lui mentir directement. Non. Je n'ai pas d'arme. Tu mens. Je sais que tu as une arme. Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Emma et toi, cause possible. Cause possible. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. Non, je vais aller voir c'est le gars là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Un accusateur défectueux. Emma et toi, on va débloquer Emma et toi. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches.
Tu penses qu'elle t'a trahi? Mais elle n'a rien fait de mal! Elle m'a menti! Je croyais qu'elle m'aimait! Mais j'avais tort! Finalement, elle est comme les autres humains! Alors réaliste, accusateur, compatissant, on va faire accusateur, tiens, je vais t'accuser. Regarde un petit toi. Peu. Voilà. Tu es conçu pour servir les humains, pas pour les tuer. Et qu'est-ce que ça fait de moi? Leur esclave? Leur jouet? Je voulais juste qu'ils s'intéressent à moi. Je voulais juste avoir une place. Ouais, de toute façon, notre but, c'est pas d'avoir 99, on connaît déjà la fin à 99. Ok, on va virer l'hélicoptère. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Accepté. Allez, ça dégage. Voilà. Comme tu l'as demandé. Alors, dernière chance, inspirer confiance rationnelle. Dernière chance, allez, on te laisse pas le choix, mon pote. Chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. Libère l'otage, tu n'as pas d'autre choix. Je veux que tout le monde s'en aille. Je vais aller voir le gars là-bas parce que je l'ai pas vu je crois dans la démo. Trouver un compromis, refuser. Trouver un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Tu as pris des vies humaines. Rien ne les empêche de te détruire à présent. Mais faire une nouvelle victime ne t'aidera en rien. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Ah non, on a toujours la même fin. Cette fois, c'est à moi de décider. Bon les gars, on a passé vite la première mission parce qu'on l'a fait de maintes et maintes fois dans ma première vidéo sur la démo. À partir de maintenant, on va aller plus doucement, on va regarder. De toute façon, je connais pas le reste, donc on sera obligé d'aller plus doucement. Donc vous voyez, pour chaque mission, enfin après je connais pas le reste, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas trouvées. Hein, tous les trucs rouges, on les a pas trouvés. Et ça amène du coup à plusieurs fins, 6 différentes. Et moi j'avais trouvé les 3 du haut là. Donc comme quoi on peut refaire le jeu 6 fois, peut-être qu'on tombera pas sur les mêmes choses à chaque fois. Bon, on va continuer, on a l'occasion de continuer, let's go! C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Bonjour. Ah d'accord, je suis dans le magasin là. Ok, donc je suis... Ah ouais, ok. Donc je suis carrément un objet. Hein. En même temps, je suis un androïde, donc... Ah ouais, c'est quand même un petit peu creepy quand même. C'est un peu comme si t'achetais des humains, quoi. Parce qu'ils sont quand même très très bien faits. J'ai pas trop sa tête. Ah, tu dis ça parce qu'il est chinois, raciste, va. Ça se fait pas, ça. Et voilà. Oula, non. Non, pas chez lui. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi, déjà? Une voiture l'a renversée. Mytho. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Tu m'étonnes que ça lui va. Okay. Je suis sûr qu'il fait des choses malsaines vous avec lui moi. Avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom.
Kara. Mel. Je m'appelle Kara. Ok. Putain, c'est... Eh, franchement, c'est beau. C'est bien fait. Let's go. Ok, donc oui, on joue plusieurs personnages en même temps dont l'histoire devrait se croiser au bout d'un moment. Donc on a vu Kara au début, là c'est quelqu'un de... Bah c'est un nouvel androïde. Se rendre à la boutique Bellini, bah on va faire ça de ce pas. Est-ce qu'on a des choses à faire avant? Donc on voit les androïdes, hein, ils font également tout ce qui est jardinage, tout ça. Hein. Ils servent vraiment à tout, en gros les humains ils ont la belle vie, ils ont plus besoin de rien faire. J'aimerais bien visiter quand même un petit peu, voir s'il y a des choses à faire. La boutique se trouve pas par là. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas visiter autre chose. On doit directement y aller. Vous avez couru 20 km, encore 8 pour atteindre votre objectif. D'accord. Et ils sont traités vraiment comme des sous-merdes. Très bien. Bonsoir. Ok, attendre que le feu soit vert. Ah ouais, d'accord. Ok. Je sais pas si le futur ça peut être si bien que ça, hein. Franchement ça donne pas tellement envie. Quand on a vu la première mission ça donne pas tellement envie en fait. Bon le feu, le feu. Le feu il pourrait se bouger son cul un petit peu. Ah voilà. Allez avance. Ok. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Alors appuyez sur R2 pour utiliser le GPS. 62 mètres vers là-bas, récupérer la commande numéro 847, aller à la boutique de Bellini, se rendre à la boutique de Bellini, et on voit d'autres choses en dessous, donc est-ce que c'est des choses à fouiller avant d'aller à la boutique? J'aime bien fouiller, moi. J'aime bien fouiller, donc on va faire des petits tours, voir ce qui se passe. La boutique de Bellini se trouve pas par là. Très bien, bon, on va aller à la boutique, hein. J'ai l'impression qu'on peut faire que ça. Ok, donc j'ai l'impression que c'est une manif, ce qu'on entend, ce qu'on a vu là, c'était une manif contre les androïdes, hein, typiquement. Et j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu contre les machines. Hein. Les ténèbres, et le moment venu, elles nous remplaceront. Puisque c'est écrit. S'ils disent, tendons des embûches, versons du sang. Tendons des pièges à l'innocent sans la moindre raison. Ok, d'accord. Ok, donc on a beaucoup de gens qui sont contre les machines. Ce que je peux comprendre. Hein. Parce qu'ils volent du boulot, du coup. Enfin, ils volent entre guillemets, hein. Il y a moins de boulot pour les humains. Ils disent qu'ils vont nous contrôler. C'est normal, ça fait un petit peu peur. Moi, je pense que j'aurais peur si je vois une machine aussi bien faite. Donc, c'est là. Arriver à la boutique Bellini. Très bien. Ouvrir. Bonjour.
Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Donc en fait, même, mais en fait, il y a plus de prendre le bus pour entrer, très bien. En fait, il y a plus de boulot pour les humains. Ils font vendeurs, jardineurs, limite chauffeur de bus et taxi, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Ils font tout quoi. Utiliser R1 pour changer l'angle de la caméra. Ah, c'est pas mal ça. Très bien. Ok. Bon bah on va prendre le bus. Hein. Mais je sais pas pourquoi je suis quasi sûr. Qu'est-ce que c'est ça? L'arrêt de bus ne se trouve pas par là. Putain. Eh, t'es quand même bien cadré hein, pour l'instant. Donc là on voit la cyber à droite, on voit le magasin d'Android. Et donc juste là il y a une manifestation contre les androïdes. Les androïdes. Tu vas où comme ça, t'as de ferraille? Plus vite. Sans déconner. Hé hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Voleur d'emploi, virez-le à coup de pompe. Ouais. T'as nulle part, ouais. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Les androïdes nous volent nos enfants. Mais c'est pas faux, hein. Moi, franchement, je pense que je serais du côté de la manif, hein, parce que ils sont en train de tout voler. Ah, attendre le bus. Ok. Donc là, il n'y avait qu'une fin possible. Par contre, j'ai loupé des trucs à faire. Comme quoi, vous voyez tout le nombre de choses à faire qu'il y a promenade dans le parc. Je savais qu'il y avait d'autres trucs à faire dans le parc. Je savais. Je voulais me promener, ça, on me disait que c'était pas par là. Donc je me suis dit que c'était cadré, mais je pense que tu pouvais quand même y aller. Bref, bon, très bien, on va continuer. Donc je suis revenu avec Kara. Et suivre Todd. C'est vachement bien les angles de caméra comme alors, ça. Alors tu viens? Oula, 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 c'est compliqué à contrôler. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma porte.
bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ok, donc en fait, ils volent des emplois, mais c'est aussi le retour de l'esclavage. C'est aussi le retour de l'esclavagisme. Hein. On va pas se mentir, même les parents font plus leur taf de parents. Directement, c'est quand même... J'espère que ça va jamais exister, des choses comme ça, parce que c'est quand même triste. Alors, maintenez R2 pour scanner l'environnement. Alors, scanons. Tâche urgente, ramasser les déchets. Ok, d'accord, donc je suis vraiment la boniche. Très bien. Tâche optionnelle, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Et on voit qu'il y a une tâche qui n'est pas encore découverte. Donc, je vais essayer de le découvrir. Alors, tâche urgente. Donc, ramasser les déchets. Bah, écoutez, on va faire ça. Je vois... D'abord, je visite, hein. Toujours d'abord visiter, voir si on n'a pas des choses cachées. Pas ici, du moins. Bon, on va ramasser les déchets. Alors. Le gros porc avec ses cartons de pizza et ses bières, normal. Mettre les déchets dans la poubelle. Jusque-là, ça va. C'est quoi ce jeu? C'est un jeu de nettoyage de maison? Prendre la poubelle. Ok. Je prends la poubelle. Alors, collecter. Ouais. Je t'amène ça. Oh, la télé incurve, tout ça, tranquille. Eh, elle est bien ta télé, mon pote, hein, pour regarder le hockey, tout ça. Je peux regarder le hockey, moi aussi, ça te dérange pas, mon pote? J'aime bien ça. Ce Wouh! Trop fort, bien joué! Ok, putain, je serais le pire androïde. Bref. Ok, table basse nettoyée, tout ça, ramasser les déchets, c'est fait. On a fait notre taf de boniche, on va vider les poubelles maintenant. Pour l'instant, c'est nettoyage simulator. Qu'est-ce que c'est? Credit card application. Ah, il a plus de sous! C'est ça, je vois. Application rejetée, tout ça. 347, nanana. Négatif balance, 1046. Il a plus de sous, si je comprends bien. Très bien. Oh, tu vas pas commencer à me casser les couilles. Voilà. Poubelle, tout ça, on connaît, tri sélectif, bim bam boum. Ok, tâche urgente, c'est fait, poubelle sortie, très bien. Je vais pas rentrer tout de suite, je me balade. Alors qu'est-ce qu'on a là? Une usine, c'est bien dégueulasse, super. Bon, il y a rien à faire dehors, hein. C'est un jeu où il faut chercher, il faut trouver des petits trucs cachés, tout ça, pour débloquer plusieurs fins, plusieurs scénarios différents, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je passe mon temps à chercher. Qu'est-ce qui lui arrive à lui encore? Oula, elle se cache sous la table, c'est qu'il est vénère le garçon. Il va taper. Il va taper dans peu de temps. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller lui parler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il s'allume sa petite pipe au calme, tranquille. Mais ah non, c'est pas une pipe. Là, désolé, Todd. Ça ne se reproduira pas. Ouah, c'est plus une télé incurvée, mon pote. Ah, c'est un autre délire, ta télé, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ouah. Ça, par contre, ça peut être bien pour le futur. Bref, qu'est-ce que je fais? Interdire Todd. L1, on va regarder la télé tranquillement. Mais c'est des vraies images, ça. C'est bien. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Fous le camp, reste pas là. Je t'ai dit fous le camp, bordel. Je savais que j'aurais pas dû aller chez lui. Je me remets au travail. Ouais, t'inquiète. Mais le hockey, c'est bien. Bon, faut se présenter à Todd. On va se présenter à Todd, mais sans passer devant la télé. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Il ressemble au mec de... Attends. Des fois, il me fait penser... Ouais, vite fait, quand même. Un peu plus gros. Au mec de Prison Break, là. Au mafieux de Prison Break. Nettoyer l'étage. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de décéder? Ah non, il est complètement, complètement déchiré devant sa fille. Ok, on est tombé dans une maison assez chelou. Alors, ranger la chambre de Todd, faire le lit, ranger la pièce, aérer la pièce. Alors, allumer. Ah ouais, non, si j'allume la télé, il va me casser les couilles. D'abord, je vais ranger, après je vais allumer la télé. Oh, la petite guitare qui passe bien. Lire directement, All Sports. Ah, trop bien. Ah ouais, c'est bien fait. Un quarterback Android. Oh là là, même. Eh, les androïdes, ils vont même jusque prendre les boulots dans le sport, quoi. Ranger la pièce. Oh, les chips à côté du lit. Oh, les tailles d'alcool, tout ça.
Oula, elle a trouvé quelque chose. Là, elle a trouvé quelque chose d'assez intéressant. Ok. Moi, j'ai envie d'allumer la télé maintenant que j'ai... Non, on va voir ce qui se passe quand on allume la télé. Alors, et maintenant le sport. Tout d'abord, un peu de basket. Ah, dis-moi la NBA. Tandis que les Gears... Quoi ? Denver à la CyberLife Arena de Détroit. Les négociations sont toujours en cours avec la Ligue pour tenter d'obtenir le droit d'inclure un androïde par équipe. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais ils prennent la place partout, en fait, les androïdes. Dans le sport, dans les métiers haut placés, dans tout, dans tout. Du ministère du Travail, 225 000 emplois ont été supprimés au mois d'octobre. Le taux de chômage au niveau national s'élève désormais à 37,3%. Ok, donc en fait, ouais, c'est carrément le bordel. Les humains, ils sont en train de se faire sucrer leur boulot. Même dans le sport, il commence à y avoir des androïdes partout, dans les divertissements, dans le boulot, partout. Ok, je comprends pourquoi ils sont énervés. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas très excitant. Je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure. On va ouvrir ici. Qu'est-ce qu'il y a de beau derrière cette porte? Ok, donc elle a carrément peur de nous, en fait. Alors, factuel, amical, diplomate. Amical. Je suis sûr qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Ok, Kara, passe-temps, silencieuse, maman. Passe-temps. Tu devrais me parler de toi. De ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Kara, maman, Kara. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Elle est muette, je crois. Laissez tranquille, silencieuse, maman. Bon, elle a laissé tranquille, elle a pas l'air de vouloir parler. Ok. Tu as besoin d'espace, je comprends. Je te laisse tranquille. Déverrouillage du chemin. D'accord, donc du coup, le fait d'être amical avec Alice nous a déverrouillé un nouveau passage. Parce qu'elle nous a filé une clé. Très bien, lourd. Ah, de son petit coffre, ok. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Me dis pas qu'il y a un flingue ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait même pas. Moi, je suis parti trop loin avec le flingue. Ok, très flacat de feuilles. Porte chance, tout ça. Donc ça, c'était la belle famille. Avant. J'ai l'impression que maman n'est plus là. Papa est complètement parti en cacahuète. Oula. D'accord, donc j'imagine que c'est elle avec, avec du sang sur la gueule. Ça, j'imagine que c'est elle et son père. Et ça, c'est son père en train de gifler Kara. Bah, moi. Hein? D'accord. Et du coup, Kara a tout cassé. Et c'est pour ça que j'ai été réparé et que ma mémoire a été... Et c'est pour ça qu'elle pleure et que maintenant, elle flippe un petit peu de nous, je crois. Et là, on a vu. C'est devenu rouge sur le côté de la tête, on a vu. Est-ce que ça a une incidence, ça, le fait que ça devienne rouge un petit peu, genre énervé, tout ça? Ok, donc on sait ce qui s'est passé. Le père, bah de toute façon je m'en doutais un petit peu, le père nous a fracassé la gueule. Nous a bien mis ce qu'on méritait et du coup on s'est fait réparer. Notre mémoire a été complètement formatée. Très bien, c'est pour ça que la petite fille a un petit peu peur. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé.
Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Ok, le père est complètement instable. Il est complètement instable. Très bien, on a fini la mission. Alors, trophée obtenu secret. Ah, très bien. Total des points 1060. Vous voyez, j'ai déverrouillé quelque chose là en or. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas fait dans la chambre de Todd. Très bien, monte à l'étage. Nettoyer le rez-de-chaussée. Ah ouais, il y avait plein de choses à faire. Ah, il y avait plein de choses à faire. Ah ouais. Oh putain. Tu t'en rends pas compte, hein, qu'il y a tout ça qui est prévu dans le jeu. Bon, les gars. On va s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, comme ça que je saurai que je vais en faire un deuxième. Je pense que ce let's play va être bien. Va être bien, c'est un petit peu un film, mélange de film, jeux vidéo, ça va être hyper cool. Ça me fait plaisir si vous le suivez avec moi. Et puis, bah écoutez, je vous dis au prochain épisode, à une prochaine vidéo. Ciao les gars.